Bonjour les amis, aujourd'hui moi et ma petite sœur, on va faire une vidéo sur le trésor des couleurs. Donc là, je vais vous montrer ça. L'arc-en-ciel, combien y a-t-il de couleurs? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, il y a 7 couleurs. Donc là, ici, il y a des trucs comme ça. Et là, voici toutes les couleurs qu'il y a. Donc ça tourne la page, s'il te plaît. Merci. Donc lavabo, c'est blanc. Il y a l'arrosoir, il y a le peignoir. Les peignoirs, en fait, c'est de toutes les couleurs. Le débardeur, la jupe, le chapeau. Non, je vois pas très bien. Le jambon, la confiture, la tomate. Et j'ai rien oublié. Donc maintenant, prochain. Comme ça. Donc, je suis obligée de bouger le livre. Donc, du jus d'orange, ça c'est sûr. L'œuf, le citron, le chou et le sapin, le kiwi. En plus, il y a un animal qui s'appelle le kiwi. Le corbeau, l'écureuil et le sanglier. Donc, allez. Donc là, ça change de couleur, là, ça se voit. Et le truc que j'aime le plus ici, c'est qu'en fait, là, il y a ça. Ici, il y a, comme on dit, petite image. Là, ça reflète toujours ça. Alors que ça, c'est que du blanc. Il n'y a rien d'autre dessiné. Alors qu'on met ça, ça fait ça. Ça doit être juste du plastique qui est en haut. Donc, ok. Donc, c'est bien dessiné quand même. Donc, je vais lire les prénoms. Aussi, il y a les papillons, ça, elle veut les montrer. Donc ça, après, regarde ça, elle adore les papillons. Donc, je vous montre les papillons, et voilà. Donc, il y a la lichenée rouge. C'est pas très bien lire. Le sphinx ocellé, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Le paon de nuit. L'écaille mâtre. Donc maintenant, on va passer à ce que moi j'aime le plus ici. Le vipère botorp, la chatine d'Afrique, le phyllobate terrible. Tous ces animaux, ils doivent être connus, mais je ne sais pas si vous les connaissez. Donc ça, c'est un petit jeu cache-cache. Il faut trouver les animaux qui sont ici. Là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc là, les feuilles comme ça, on les voit déjà parfaitement bien. Mais moi, c'est ça que je n'ai jamais trouvé. Il y a quelque part dans les feuilles. Attends ça. Donc, il est là. Il est là, il est bien caché quand même, on dirait un arbre. Donc lui, je l'ai déjà trouvé, il est ici. Et lui, il est ici. Et lui, il est ici. Donc là, on va montrer ce qui est ici. Là, par contre, la pastèque, elle était dure à ouvrir parce que je dirais qu'elle était un petit peu scotchée là. Ici. Donc là, c'est autour d'Afsa, elle n'a pas beaucoup parlé. À toi, ça. On a une escargot. L'escargot avec un champignon sur là. Une pomme. Une pomme. Une fleur. Mais la fleur, elle s'appelle le dahlia. Dahlia. Ah non. Là. C'est bloqué. Attends. Le petit rond. Attends. Le potiron, mais ça se lit le petit rond. La feuille. La coccinelle. Les fleurs encore. C'est une pas une fleur, ça s'appelle. C'est une fleur, mais ça s'appelle le coquelicot. Coquelicot. Et ça, c'est La pastèque. La pastèque. Ça, c'est un fruit. Et la framboise. C'est un framboise. Et ça, en fleur. Ça aussi. Mais ça s'appelle. Attends, ça s'appelle l'églantine. Ça s'appelle les oisillons. Attends, c'est des animaux, les oisillons? Je ne sais pas. Si vous savez dans les commentaires si les oisillons, c'est un animal, bah, mettez-le. Un autre fleur en rouge. La figue.
Ça s'appelle une fleur en violet, je crois, en fuchsia. Non, il y a une fleur en rose. Mais c'est en fuchsia, normalement. Oui. Donc, la pivoine, je voulais dire. Ah ben ça... C'est le topi... Attends, ça, j'ai pas encore lu. Le topinambour. Les myrtilles. Et pour terminer, une fleur violet. La violette. Bah, une fleur violette, mais qui s'appelle la violette. Et ça, ça fait ça aussi. Attends, ça d'abord, il faut qu'on lise les noms de ces animaux. Donc, ici, il y a la, le voilier, le bar, la rémanta, le poisson, si, la baleine. Je connais quelques poissons par cœur, par exemple. Le poisson papillon, je le connais. Et le poisson ange, et il y a encore des autres. Attends, ça, on n'a pas encore terminé. Il y a le poisson papillon, là, le poisson clown. Il y a la murène. Et je rajoute quelque chose, la murène, comme aussi une anguille électrique. Le poisson, j'ai déjà dit. Et aussi le poisson papillon. Le garibaldi, le poisson mandarin. Donc, maintenant, ça va être le plus dur, car il est trop grand comme ça. Donc, je ne sais pas comment on va faire. On va faire comme ça. On va commencer par ici. Donc, le requin pointe blanche. Et ça, c'était quoi, Ilou? La rascasse volante. La rascasse volante. La corail, mais je sais pas, la corail, elle est où? La corail, ça doit être soit ça. Soit ça, ou soit ça. Et attends. L'oursin crayon. L'oursin crayon, c'est ça, normalement. L'anémone de mer, c'est ça, normalement. Le bénitier. La tortue imbrique. Le poisson coffre. Et j'ai oublié de dire celui-là. La frégate. Donc là, je vais faire. Et je mets comme ça. Et j'ouvre. Voilà, ici, il y a plein de sortes de poissons. Donc, je vais vous dire mes préférés. Donc, il y a déjà le poisson papillon, mon préféré. Il y a le poisson ange, le poisson mandarin. Mais il y en a des autres. Ça, c'est parmi les poissons mes préférés. Mais aussi, il y en a des autres. Par exemple, le voilier. Donc ça, c'est un jeu cache-cache. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc attends, ça, il faut que je lis les noms. Donc, le boa, c'est un serpent, il est ici. Le 3, c'est la fleur qui est à côté du colibri, donc ici. Le 4, le lori. Le lori, c'est lui. C'est un paresseux, normalement, c'est un mou de paresseux. Le lori, la chauve-souris, ça, c'est toi qui vas la trouver. Tu as son aile ici. Et ici, oh. Ça fait attention quand même. Donc, attends ça. La chauve-souris, 5. Ça, attends. La Floriane est là, juste à côté de la chauve-souris. La Floriane. Le kangourou abrigo. Le kangourou. Je crois que c'est lui. Tu vois. Oui, c'est 7. Oui. Attends ça. 8, c'est l'oiseau comme ici. Ça, 8. Bravo. Donc, le Quetzal, il s'appelle normalement. Oui, c'est Quetzal, ils sont marqués. Le paradisier bleu. Paradisier bleu. Paradisier bleu, c'est le 9. Il est quelque part ici. C'est lui. On a l'impression que c'est un insecte ici. Parce qu'il est à l'envers. Mais en vrai, c'est un oiseau normalement. L'ail. Le 10. Il est ici, je crois. C'est lui, oui. 11. Il est à côté de l'ail. Ah, c'est une fleur, c'est ça. C'est une plante. 12, c'est ça. 13, c'est ça. On l'avait, il était dur. On croyait que c'était ça. En vrai, c'est ça. Et après, 14, c'est ça. Et 15, le dernier, c'est ça. Il était dur quand même. On avait cru qu'il était, à côté d'ici au début. Et après, on avait vu qu'il était ici. Maintenant, on va dire les prénoms. Le boa émeraude, le colibri. Attends, ça, ton pas. Attends.
colibri, la passiflore, le lori, la chauve-souris, la fleur liane, le kangourou arboricole, le quetzal, le paradis bleu, l'ailaï, le monster, l'estéria, l'orchidée, le caméléon, la sauterelle. Et je vais vous dire, le préféré de tous les animaux qui sont ici, bah c'est celui-là. En plus, qu'il est trop joli. Mignon. Et je crois qu'il va manger ça. On tourne la page. J'ai oublié de mettre ça. Donc, on prend le temps. On va pas faire trop vite. Ça, toi, tu fais les pages de ce côté, si vous voyez. Moi, je fais les pages de ce côté. Donc, le kangourou, ça s'appelle la gentiane. Donc, moi, je gère les deux pour lire. Le dromadaire, le sable, c'est une tortue sable. Attends, ça, j'ai pas encore lu. Tu m'attends. Libi. L'eau, le trop fort. Le crabe vert, je sais pas si ça existe. L'ours polaire. La panthère noire, une clay, la rose, le pruneau, l'ours, le flamand, le singe chauve, l'abricot, la pomme, pomme de pin, l'aubergine, le galet, la feuille, l'ara bleu, ça existe. Ça, je sais. Le poisson lanterne. La jonquille. Et pour terminer, la fraise. Oui. Maintenant, on tourne. On tourne. D'accord. Et voilà. Donc là, en gros. On le peint. Il y a un lapin gris, il y a un lapin. Il y a un lézard gris, il y a un lézard vert. Il y a une feuille un petit peu multicolore, il y a une feuille verte. Il y a une feuille avec des fraises. Une feuille avec des fleurs. Donc là. Mais dites dans les commentaires, c'est quoi votre animal préféré? Même s'il n'y a pas d'animaux dans ce livre que vous aimez. Par exemple, si vous aimez, par exemple, imaginez, lui, il n'était pas dans le livre et vous aimez cet animal. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas écrit comment il s'appelle. Le paon. Je ne suis pas sûre qu'il s'appelle le paon. Mais vous pouvez écrire « J'aime le paon » ou si vous connaissez son vrai prénom, vous écrivez son vrai prénom. Mais si vous ne connaissez pas le prénom, vous écrivez « Le paon », comme ça je vais comprendre que c'est cet animal. Donc, et ça y est, allez. J'ai oublié. J'ai pas les noms. La drambotte, 5 bandes des secrets du poisson. Le cortinaire des montagnes. Celle-là, il se trouve dans les montagnes, normalement. La galère marinée. La mantine tue mouche. Donc, les noms de dinosaures, je vais les lire. Le protociraptor. Le Tyrannosaurus, le Vélociraptor, le Ségisaure, le Procompsogat, Diplodocus. Donc ça, c'est les animaux qui sont à peu près ici, je crois. Ça a des couleurs, Rouge taché, vert émeraude, ocre gris, vert kaki, cuivré. Donc ça, c'est un truc pour juste on met de la peinture dans les mains pour ça. Donc voilà, on est arrivé à la fin du livre. La prochaine vidéo, ce sera un livre sur les animaux. Donc à bientôt. Et n'hésitez pas de mettre plein de j'aime. À bientôt.